Eh bien bonsoir à tous. Alors, donc on continue bientôt le. On continue le. Vers la fin du jeu bientôt. Alors continuez. Voilà. Je vais régler le son du jeu. Voilà, donc il fallait suivre le sang. Donc. Une pile, deux piles, trois piles, cinq piles. Voilà, c'est bien plus fluide. Hein. On court. C'est pas par là. C'est par où? Une autre pile. Un Takiwalki qui sait rappeler personne. Bon bah. Oh. Il est gentil ou pas lui? Faut faire quoi déjà? Suivez les traces de sang. Ça c'est de l'objectif ça. Oui. Oui, je vais. Ah d'accord. Ah oui. Hey. T'es craché sur son crâne d'œuf là. Allez, c'est par là. Oh, pas me faire une frayeur qui va tomber non plus. Tiens, je crache sur ton œuf. Si tous ceux qui sont inquiets pour moi le mettent dans les commentaires. Qui s'est agité, je suis sûr que je suis avec l'autre tondu là. Ah ouais. Ah bah ça va. Ça, c'est la position safe. Ah mais. Je suis sûr que ça devait être par là que je devais aller, je sais pas. Peut-être là, non? Ouais, non, c'est là. Allez, après tout, faut suivre le sang, pas vrai? Je le sens pas. Ouais, l'endroit là. Bon, comme pas grand chose dans le jeu en même temps. C'est pas fait pour sentir bien le truc, ce jeu. Je saute un lit, je saute deux lits, j'ai entendu plate qui s'effrite. D'accord. Je sens que je me suis paumé. Oh putain! Quoi ce truc là? Wall Rider. Droite ou gauche? Faut le suivre lui ou pas? On va pas le suivre. C'est quoi ça? Pareil photo. Cassé. Chut, chut, chut. Faut aller par où? Putain, quel dommage qu'on puisse pas le faire à deux, ce jeu là. Genre en coopération. D'accord, rassurant. Alors ça c'est rassurant ça. Et je parie que la porte elle s'ouvre pas, même celle-là. Oh putain. Mais ils ont la queue à l'air les mecs. Oh, putain. Putain, ils font une douce partie et tout. Oh non. Oh non. Non 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 non. Avec vos queues là. Avec leur queue et tout. Oh là. Putain, recharge toi. Vite là. Putain, avec le bruit là qui s'excite là, je peux. Putain, y'a pas un lit où. Merci. Putain. Oh non. Non. Oh non. Non. Pas les bang. Pas les bang bro. Pas ceux de la tous partie. Oh non. Oh non. Oh non, t'as un gros ventre et un. Toi aussi. T'as un gros ventre et une petite banane. Et qu'est-ce que je vais faire moi? Tu m'as vu.
Tu m'as vu? Je sais pas, va t'habiller, merde. Je sors, Oh, je sens que je vais me faire canarder le cul. Je devrais les attirer. Attendez, regardez ça. Hé hey. Oui. Non mais putain de merde. Oh, il est vraiment pas au point le jeu. Hein. Parce que normalement le mec il se retourne, moi j'ai le temps de courir derrière. Putain, ça c'est un truc, ça me... Les trucs qui one shot comme ça. Hé hey. Psst. Petite bite. Petite bite. Putain. Mais le truc de merde là, avec ses poils de merde là. Putain, le truc, j'allais partir là. Il y a un truc qui m'a retenu quoi. Je sais pas. Putain. Putain, il y a un petit truc de mur, le mec qui peut pas avancer. Il se dit non, je vais rester avec les PD à petite bite là. Allez. Yalla la kipou. Allez au cours. Ah bah oui, putain, mais l'autre, le temps qu'il se mette à courir. En plus, ça va, il marche. Hein. Je cours. Tu vas venir là? Bah ouais, mais je vais où? Si je vais là, il y a l'autre. Si je vais là, il y a l'autre. Ouais, je vais encore me faire niquer. Là. Oh, non, pas par là. Hey. Avec ta queue, là. Et bah voilà. Et bah encore. Bah voilà. Faire planter par les... Ta petite queue là, tu vois. Putain. Putain, sans gêne. Hein. C'est un jeu. Putain, pas de pudeur dans ce truc là. Là, je peux y aller ou pas? D'accord. T'as plus la musique de merde aussi là. On dirait les dents de la merde. Ah, c'est par là. Qu'est-ce que je regrette de m'être fait avoir par les deux sous-merdes là. Putain, c'est vraiment parce qu'il y avait une erreur. Putain, tout ça à cause d'un bug pourri là qui m'a empêché d'avancer. Putain, je voulais pas les toucher moi. Allez. Allez, allez, la caméra est tombée, faut que je la récupère. J'avais vu ça il y a longtemps. Et puis elle tombe bien dans la crevasse. Bien dans la crevasse. Allez. Moi aussi je vais me casser la gueule. Oula. Vous avez besoin... Eh oui. Ah bah oui. J'ai besoin de ma caméra, oui. Parce que là je suis baisé. Effectivement. Voilà. Donc déjà, c'était pas rassurant même dans le noir en voyant. Et là faut que j'aille récupérer la cam. Bon. Bon, on sait où c'est hein. Je peux aller que là où il y a de la lumière. Ah c'est sûr c'est pas le. J'entends quelque chose qui tombe. Je peux prendre une pile, stock de piles complet. C'est dommage. Oh là. Putain, même un peu de lumière, ça me fait peur là. Je peux pas me cacher. Ça doit être par là. Ouais. Là c'est bien là. Tout est indiqué en couleur. C'est parfait. Mais bon. Comme dans tout truc, à mon avis, il doit y avoir un piège quelque part. Hein. Qu'est-ce que je disais? J'ai à peine le temps de finir ma phrase que... Il y a déjà un tocard. Oh putain! Attends, reviens ici, toi, tu vas voir ta gueule, toi. Ouais, bon, lui, on connaît, hein, il est toujours là. Je m'approche même plus des mecs, hein. C'est même pas la peine. Ils sont tous armés vers la fin, on dirait. C'est moi qui respire comme un dingue ou c'est l'autre là?
Oh là oh là, oh là oh là. Je sais pas, j'entends. J'entends que je suis pas tout seul, on dirait. Ça fait peur, hein. On dirait que c'est ma caméra là-bas. Il peut pas la prendre, le mec, hein. Là, il a les. Ouais, il a plus de doigts. Je sais pas, il sait plus tenir un truc. Ah ouais, il faut vraiment être en face. Ouais. Je comprends, c'est pas... Il peut pas longer. Tout se passera bien. Tout se passera bien, Julien. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'as une caméra cassée, des malades qui te courent au cul. Tout se passera bien, mon petit. Je peux pas me cacher. Ah si. Attends. On va laisser les tocards. Eh, venez. J'ai des piles, moi, messieurs. Oh là, bah des cônes secs. Par contre, c'est bien fait l'effet cassé de la caméra. Tiens, on va se mettre là. C'est bizarre, on dirait que tu m'as vu. On dirait. Hein. Allez, au bout d'un moment, ils doivent plus me suivre. Mais allez. Allez. Mais saute, espèce de con là. Ah, tu peux pas sauter. Tiens dans le cul, toi. Putain, il court vite cela. C'est dingue quoi. Et je vais où moi? Oh là, l'image est... Bonjour le stress. Hein. La musique, je commence à la connaître par cœur, et tellement on stresse le perso tout le temps. H24. Je sais pas s'il change de pile ou quoi. Trouver le moyen d'accéder au niveau 3, mais c'est bon en fait. J'ai pas besoin d'aller voir les malades. Moi, je pensais que je devais leur courir après. Enfin, que je devais retourner dans la salle... Dans la salle... des déglingués, quoi. Mais non, en fait, pas du tout. Attends, par où je viens, en fait, de ce truc-là. Là, je trouve c'est marrant avec le truc cassé. C'est bien foutu. Ah, voilà, je dois aller là. Voilà. Ah, c'est bon, ouais, je suis mort... Je suis mort 20 fois, là, en une vidéo. C'est bon. Pas de pitié, au moins. Attends, je crois qu'il y avait une pile tout à l'heure ici. Voilà, je vais recharger. Hop, et je prends celle-là. Stock de piles, voilà. Là, je suis complet. Et je sais encore pas où je dois aller. Vas-y, saute, mon grand. Parce que je sais pas, tout à l'heure je me suis retrouvé là. Voilà. Ah, d'accord. Attends, niveau 3. Non, je suis pas en train de. Non, non. C'est juste de franchir un truc. C'est bizarre, c'est que tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai commencé ici en fait. Si j'avais seulement les clés, ça m'aurait évité tout un chapitre à courir en rond, à tourner en rond, quoi. Et à me faire... Je recule. Je recule. Je vois les pieds de quelqu'un, on dirait. Je vois les pieds de quelqu'un. D'accord. Bon. Bon, bon, bon. Donc dans la logique, je dois faire ça. J'ai cru pendant un moment que je m'étais trompé. Je dois aller par là? Tu me feras rien, toi? Only one way out. Only one way. Une seule? T'as l'air de vouloir être... Ouais, t'es un cyclope, toi. Non? Ouais, puis bon, trouver une sortie avec, avec un œil dans le cul comme ça, c'est pas évident. Alors attends, je vais essayer, moi. Comment savez-vous que vous n'êtes pas... Attends, reviens. T'en vas pas. Oh, ça a l'air très bureaucratique ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. En espérant que j'ai pas de truc encore. Hein. On se regarde. Oh. Oh mon pote! Tu te souviens de moi? Mais non, je suis là! Ça se trouve, il me cherche.
Alors qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait au début en fait. Ah, il connaît maintenant, il connaît les recoins. Attends, il est où mon pote là? Il est là. Eh, regardez-le, il me cherche. Et puis moi je vais me barrer. Parce que là je sais qu'il peut pas passer. Il passe entre les grilles. Putain, je me fais des frayeurs tout seul là, faut que j'arrête. Non, non, dis-toi que t'as pas le bras assez long, j'espère. Ce passage il va être marrant à mon avis. Pas pour vous, pas pour moi. Vas-y, retourne chez toi. Non mais il faudrait qu'en fait, j'ai un plan de toute la truc. Avec les portes ouvertes, les portes que je peux ouvrir. Tout un petit plan, tout ça. Ça serait sympa. Ça m'évite. Non, je suis pas là. Alors, si je comprends bien, bon, vas-y, éclate-toi, défonce-toi la porte. Chapelle. Attends. Attends. Retrouver le père Martin au service administratif. C'est là que j'aurai besoin de mon assistante. D'après toi, où je devrais aller en fait? Service administratif, c'est où ça? Chapelle? Cafétéria? Recreation Hall? Library? Enfin bref. Il m'a pas vu là. Oh putain, y'a pas d'issue, je m'en vais. Ouais, par là. Non, non, c'est bon. Bon, déjà, on sait que c'est pas à droite. Ah, oh, il est pas content, ulti. Pas content. Putain, mais je comprends pas, y'a un truc que je piche pas. Je veux dire, c'est bon, il est. Il est gros, il est con. Ce que je piche pas, c'est pourquoi. Pourquoi il se retrouve toujours là où je vais, lui, en fait? Quand je suis dans la cave du truc, il va être là. Quand je suis tout là-haut, il va être là. Le truc, il est toujours là où je suis, quoi. Je suis aux chiottes, il est là. Je suis au vestiaire, il est là. Putain. Je suis en train de chier, il est là, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est... Je veux dire, ça rime à quoi? C'est... Pas des passions dans la vie? J'entends un vilain quoi? Je t'emmerde. Pas vilain toi. Oh sérieux, il est relou. Ouais, tiens, tire. Ah mais quand je me tire à droite, ça... C'est un cul-de-sac. La porte en verre, elle s'ouvre pas, je parie. Non, non, il y a un truc qu'il faut que je chope. Quoi. Oh, et puis il y a des connes, la caméra. Non, je suis pas là. Attends. En mode Splinter Cell. Tu m'as pas vu? Vas-y, pousse ça, putain de merde. Je sais que c'est là. Je te dis. J'espère que je vais pas tomber. Oh putain, c'est par où là? Il est mort ou... Vu sa tête, il m'a pas l'air vraiment vivant. Bon là, je peux pas y aller. D'accord. Et lui, il va me boucher la route devant. Donc au moins, on sait que c'est pas par là. Pour interagir. C'est peut-être par là, remarque. Je vais essayer l'autre chemin quand même. Désolé hein, de faire traîner. Hein. Je vais essayer de voir ça. Allez, à première à gauche. Oh, j'espère que je vais pas tomber, me retrouver dans les chiottes avec le gros. Ça risque d'être marrant. Allez, faites que c'est un cul-de-sac ici. Oh, oh c'est juste pour prendre un dossier. Ah, ça fait un petit bonus. Hein. Voilà, ça fait un bonus Steam. Allez, c'est bon. Il n'y a plus qu'à revenir... sur nos pas. Voilà, c'est par là. Tout droit. Je sais pas pourquoi je sens quand je vais sortir, il va quand même me mettre la main dessus le gros. Intuition. Intuition outlastienne. Je dirais que c'est par là, moi. Voilà.
Ma caméra elle a pas l'air d'accord. C'est par là. J'ai peur. Qu'est-ce que... C'est vous? Oui, je suis censé. Merci. Avec ta tête en framboise là. Putain, ça me rassure trop qu'un mec pareil me donne des conseils quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, c'est mignon! Oh! Oh, c'est chou, dis donc! Oh, c'est... Ah, oh, ça détend, hein! Exit! Putain, comme si le mec, il pouvait pas... Il peut pas sauter, bah, il est con, aussi. Oh là! Alors, récupérer la clé dans la salle de détente. Ah, voilà, on y est! Regarde. On est détendu là, pas vrai? Je suis sûr que... D'accord. Ah oui, à mon avis, la musique, ça doit être ici, la salle de détente. Hein. Y a pas 36 solutions. Hein. C'est le genre de truc où on n'a pas envie d'aller en bas, quoi. Une petite caméra, là. Coucou! Je te fais un bras d'honneur. Avec la musique là, elle a changé là. C'est plus détente là. Là c'est chiasse là. Y a rien. Y'a rien. Y'a rien de bien en fait. Par là. Oh, ah oui. Ah oui, c'est le cinéma. Hein. Ouais. Ils doivent être en train de regarder Mr. Peabody. Ah. Putain de sa mère là. Exit interview recorded December 27th, 1985, Los Alamos, New Mexico. Je m'en fous moi, ton film de merde. Oh putain, j'adore où on peut pas se faufiler, mais qui. Allez, on peut pas pousser une chaise. Non, ils ont tous l'air passionnés par le film à mon avis. Je m'en fous moi de tout ça. Bon, une fois que j'ai la clé ou quoi, on va sauvegarder, on va s'arrêter là tranquille. Tiens, vas-y, ferme ça parce que ça me stresse avec ton film de merde. Ah, ça... Ouais, là, la lumière c'est... Voilà, tout ce que j'aime. J'ai plusieurs hypothèses, mon pays à l'époque... Sors d'ici, je te dis. Ah, on peut peut-être parler au confessoir. Eh mais je te vois, dis-moi ce que t'as. Enfin je vois que t'es dedans. D'accord. Putain. Oui. Oh, un dossier de merde. Je sais même pas c'est la clé de quoi en fait que je dois piquer, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout, hein. Tant mieux. J'aime pas trop avoir trop de possibilités. Bon là je parie qu'elle est fermée, qu'il faut passer en dessous. Voilà, je parie bien. Y a pas un truc sympa, je sais pas, y a pas un... Ah, une pile. Allez, on recharge, on pique une pile. Il est parti. C'est tout ce que je veux savoir. Moi. Ah, mon gars, il veut même pas ouvrir la porte. Ah, il veut pas. Hein. Bon, bah, c'est bien. Faut rebrousser chemin. Attends. Récupérer la clé dans la salle de détente. D'accord. L'objectif est précis. Hein. Je veux dire, y a pas de souci. Merde. Putain, je voulais rentrer, moi. Enfin, au moins, j'avais... J'avais un truc à suivre. Ah bah ça va.
pas l'air méchant, hein, ce mec-là. Pourvu qu'il m'atteigne pas. Jusqu'à où je dois aller comme ça? Bah, jusqu'à là-bas peut-être. Allez, encore. Vas-y, doucement, tombe pas. Ce serait con. Alors là. Ouais, ça va. Et bah ça va, j'y suis quand même. J'ai la clé. Retrouver le père Martin au niveau 3. Donc là, pour la vidéo, on va s'arrêter là. Voilà. Et après, on se dit à bientôt pour retrouver le petit père Martin. On va aller choper Martin. Voilà. Avec Franklin et tout ça. Bon, bah, je vous dis à une autre vidéo. Et puis, bah, je vous embrasse. Et puis, bah, bonne soirée à vous. Bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Et puis, bah, à bientôt. Ciao les loulous.